Mais il y a toute la génération qui était enterrée, les deux étaient enterrés dans la terre. Quelques mètres plus loin, un jardin botanique fait office de sanctuaire pour les caméléons, les jours de chance, les touristes se peuvent en faire. À la beauté de l'instant succède la prise de conscience. Je viens d'apprendre aussi qu'il ne fallait surtout pas les prendre en photo avec un flash parce que ça les éblouit et ça les empêche de manger par la suite, de s'alimenter. C'est bien, on pourrait déjà l'explorer, d'apprendre un petit peu la nature ici et puis leur ligne, et puis surtout, encore une fois, qu'ils aient la chance de voir ces choses-là avant qu'elles disparaissent. Depuis février 1989, l'endormi est une espèce protégée. C'est le seul caméléon existant à La Réunion, mais impossible d'en connaître le nombre d'individus. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas, à 23h, tout à l'heure, Damien Giret reviendra sur la grève et sur ses conséquences dans le grand journal du soir sur RTL Canal 26. Tout de suite sur TF1, le concert événement de Patrick Bruel. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous retrouve demain dès 13h. Retrouvez toute l'info sur RTL Canal 26. Ce soir, sur TF1, Patrick Bruel, le concert événement en direct de Paris La Défense Arena. Sur TFX, inédit, chronique criminelle, l'affaire Fernando Mourao, le voisin est-il coupable? Et une relation entre mon mari et la femme de Fernando. Sur TF1 série film, Joséphine se déchaîne. Qu'est-ce qu'elle veut, ça va? D'abord, je vais t'expliquer le concret. Allô, Vessia, musique? Ce soir, sur TF1, Patrick Bruel, le concert événement. Sur TLC, Colombo. Sur TFX, Chronique criminelle. Sur TF1 série film, Joséphine en gardien. Et à 22h, LCI samedi soir, présenté par Daniel Giglet. Rendez-vous dans la demi-finale de Max Singer, rendez-vous sur MyTF1. Si vous dites production d'électricité à la maison, vous répondez ainsi, panneau solaire. Oui, mais savez-vous que bientôt, nous avons aussi pour produire de l'énergie. Et je vais vous répondre.